Rebienvenue, amis, chers amis et passionnés de l'aéronautique sur la chaîne d'Air France Virtuelle. Aujourd'hui, au programme, un vol en deux parties, un vol long courrier qui fait partie d'un event, un événement, pour être plus précis, de l'AVA, qui s'intitule, comme dans le titre, le Carnaval de Dakar. Donc plusieurs destinations, enfin plusieurs départs avec une seule destination. La destination, c'est Dakar pour le Carnaval de Dakar. C'est un event qui est en cours dès maintenant. Sauf erreur, il a été mis en ligne ce mardi ou ce mercredi. Je crois que c'était le mardi. Jusque fin novembre. Donc n'hésitez pas pour tous les pilotes de l'AVA à venir vous inscrire sur cet event et participer avec différents appareils. Donc c'est uniquement des appareils long courrier comme le 777, le 747, l'A330 et j'en passe. Donc sans plus tarder, nous allons nous diriger vers le direct. Donc bienvenue, asseyez-vous, attachez vos ceintures avec ce magnifique A330-900 disponible gratuitement sur flightsim.to. C'est un appareil qui n'est pas entièrement complet, mais qui, à mon humble avis, et ce n'est que mon humble avis, est très suffisant et satisfaisant à voler sur MSFS en attendant que de magnifiques longs courriers rejoignent le simulateur. Et salut Shop4R, comment vas-tu aujourd'hui? Donc sans plus tarder, quand même, hein, il est vraiment beau, hein, que ce soit visuellement extérieur ou même intérieur, il est magnifique. Donc il est sur la base, c'est dommage, la passerelle va pas jusqu'à la porte. Il est sur la base du 320 de Fly-by-Wire. Donc pour les possesseurs du 320 de Fly-by-Wire, il n'y aura pas de dépaysement. Au niveau intérieur, on est quasiment sur le même produit, avec la même tablette, etc. Donc c'est quelque chose qui est pas mal. Donc je vous conseille ce petit 330, qui est bien sympathique pour faire des vols long courrier. Et franchement, c'est le seul qui est clairement agréable à voler en long courrier pour l'instant sur MSFS. Ça va bien, merci, et toi? Eh bien écoute, moi ça va bien, comme d'habitude, je suis avec vous, on va bientôt partir pour voler. J'allais dire je suis en vol, mais pas encore. Donc très clairement, voler, hein, c'est notre passion, donc ça va très très bien. Et coucou Samy, coucou, comment vas-tu Samy? Donc notre vol aujourd'hui, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous allons partir de Paris pour rallier Dakar. La destination c'est Dakar. Les départs sont Paris, Amsterdam. Je crois qu'on a Orly également. Et on a Lyon. Et encore un autre aéroport. J'ai perdu l'aéroport qui reste encore. C'est un vol assez sympa, en tout cas pour tous ceux qui aiment faire les longs courriers. Gros programme aujourd'hui, exactement. Gros programme, donc un premier vol ce matin en stream, un départ en fait, hein, c'est le même vol, mais on va le faire en deux parties, pour pas non plus rester en stream à regarder le ciel passer, hein, c'est pas très utile. Donc on fait le départ, sur les coups de midi on va se quitter, et puis on se donne rendez-vous à 15h15 pour la préparation de la descente. On fera la descente, l'approche, l'atterrissage, etc. Donc voilà, un stream en deux parties. Je veux bien l'info sur la version que tu utilises du 330. J'ai eu des mauvais souvenirs sur mon dernier vol 330. Écoute, moi j'ai téléchargé donc la dernière version du 330-900 qui est disponible sur flightsim.to. La version, c'est la 1.5, je crois, sauf erreur. Je revérifie tout à l'heure et puis je te redirai. Donc c'est la 330-941, comme on voit. C'est un super add-on, hein, je trouve, pour le boulot gratuit qui a été fait sur la base du Fly-by-Wire. Donc vraiment top. Et salut Damien, comment vas-tu? Donc
On va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai déjà mis la batterie, l'external power, j'ai déjà lancé l'alignement de mes IRS. On va tout simplement déjà partir sur notre FMC et rentrer nos informations. GPS primary, non. Alors, sur la page init, nous allons partir de LFPG. Et nous allons à GO. BZ, oh j'ai un gros doute. GOBD, pas BZ, BD. Alors GOBD. Alors c'est normal, il n'y en a pas. L'alignement de nos IRS, bon, je les ai lancés il y a un moment, donc ils sont déjà alignés. Setup. Au niveau flight number, c'est AFR. 4216 comme mon call sign. Le flight number de l'event est un peu grand. J'aime bien mettre mon call sign à moi. Au niveau du cost index, on aura un cost index de 50 pour le vol long courrier. Et on aura un cruise au 370. Hello 7, bienvenue à toi. Oh, Kaiser. Kaizen, donc Damien qui nous fait l'honneur de prendre un petit sub. Merci à toi Damien. Merci à toi, ça fait plaisir. Les subs grimpent gentiment sur la chaîne, donc c'est cool. J'ai fait 6 heures de vol hier et franchement zéro souci. Ça va bien à toi. T'as fait avec le 330 ou simplement tu parles avec la nouvelle mise à jour du Simu, parce que c'est pareil, hein, ça sera mon premier vol depuis la mise à jour de hier, donc j'espère que tout se passera bien. Je kiffe ton nouveau light setup, merci, c'est gentil. Mais en fait, hein, c'est simple, hein, j'ai une grande barre de LED qui fait environ 5 mètres, et je peux lui mettre la couleur que je veux, hein, tu vois, j'ai la petite télécommande là, qui est bien sympathique. Donc voilà, je peux mettre en strobe aussi, enfin voilà, c'est assez sympa. Après, le strobe et puis les changements de couleur instantanés, la cam elle aime pas très bien, hein. J'ai pas non plus une cam très très haute qualité, donc ouais, ça fait des changements de contraste, etc. Donc c'était pas top. Avec le 330, ok. Mais avant la mage, ok, ouais. Ouais, le 330, écoute, j'ai jamais eu de soucis non plus, il fonctionne super bien, j'en suis super content. Il est clairement, comme je le disais au début, au niveau du fly-by-wire A320. D'ailleurs, il est sur la base du fly-by-wire A320 pour tout ce qui est système. Donc, non, top. C'est un très très bon avion, moi je le conseille. J'ai volé vite fait ce matin avec le PMDG sur la nouvelle mage et j'ai pas rencontré de problème. Bah tant mieux. Tant mieux. J'espère que ça sera pareil pour nous. Très clairement, j'espère. Je sais plus si on peut importer le plan de vol depuis ici. On va regarder. J'ai un doute. Alors, pas depuis là. Et Samy qui offre un abonnement à Konix. Merci à toi, Samy, c'est gentil. je me rappelle plus comment on fait. Je sais qu'on peut le faire, hein, mais je me rappelle plus du tout comment on fait. Pas grave, on va pas s'amuser à chercher pendant des heures. Je sais que normalement dans la page init ici, on peut request directement, mais je crois qu'il fallait en fait simplement pas que je rentre les informations. Maintenant que j'ai commencé à rentrer les informations, c'est trop tard. Mais ici, il y avait un petit message avec l'info request, je sais plus exactement quoi. Et en cliquant dessus, en fait, ça nous demande si on veut request le plan de vol du SimBrief et pouf, ça balance le plan de vol. Ma foi, tant pis, c'est pas grave. Ça va permettre un peu aux gens qui n'ont pas l'habitude. Alors, tu conseilles ce 330? Ouais, je le conseille. Clairement, il est gratuit. Et clairement, de toute façon, c'est au niveau de tout ce qui est long courrier, c'est la meilleure qualité que tu peux trouver sur MSFS. Donc, franchement, je le conseille. Un plaisir les gars, vous faites un taf de dingue. Merci à toi Samy, c'est gentil. Perso, je le conseille, il est parfait, mais il n'est pas parfait, mais il fait le taf exactement. Il y a encore des choses comme le 320 de Fly-by-Wire, tous les systèmes ne sont pas implémentés, on ne peut pas le comparer par exemple à un Phoenix. Donc très clairement le 330 c'est la même chose.
Il manque des systèmes, il manque des choses, mais le modèle de vol est top. Il y a déjà plein de choses d'implémenter. On a la tablette pour calculer nos top of descente, etc. Hein, c'est exactement la même tablette que le 320 de Flybywire. Donc franchement, ouais, il est vraiment à conseiller. Où c'est qu'on a le 330? Voilà, Damien vient de te répondre sur flysim.to. Tu tapes 330 dans la barre de recherche et il va te proposer les livrées ainsi que l'avion. D'ailleurs, je crois, sauf erreur, qu'il va te proposer que des livrées et au-dessus, tu vas avoir une petite barre d'information en disant qu'il faut cet add-on pour avoir les livrées. Et tu as juste à cliquer dessus et ça t'emmène sur la page pour télécharger l'avion. Franchement, c'est. Télécharge le dossier, tu l'installes et il se met automatiquement dans le community ou alors il faut mettre le fichier dans le community, je me rappelle plus. Enfin, tout est écrit dans la description, il n'y a pas de souci. Tu as un README aussi dans le dossier. Donc franchement, c'est easy comme tous les autres avions et je le conseille. Voilà. Damien le conseille, les autres le conseillent, etc. etc. Merci pour le retour. Pas de souci, on est là pour ça. On est là pour partager les choses. Alors, départ de LFPG. On va partir de la 08 gauche. On part de la 08 gauche et on a. Hop là. On va aller regarder vite fait. On va se dépêcher parce qu'on a un départ à 11h normalement. Il est déjà 41. On discute, on blablate, etc. Mais, alors c'est Agopa 5H. Alors Agopa 5H, il est là. Voilà, 5H. Et on n'a pas de transition. Donc on peut directement insérer. On peut checker rapidement sur la carte. On va prendre le temps de le faire. Tant pis si on part un peu en retard. Sur la carte du départ. Alors LFPG. LFPG. Ah, il veut pas. Ah, c'est pas cool. Paris? Non plus. LFPG. Ah, il veut pas. Ok, bon, petit bug. Alors, je ne sais pas si c'est un bug Navigraph, vu qu'il y a eu des mises à jour Navigraph, ou si c'est un bug au niveau de la tablette. Je pense que la tablette n'est pas à jour par rapport à la nouvelle version Navigraph. Je pense. J'ai des doutes, mais je pense. Ma foi, c'est pas grave. Je vais contrôler rapidement avec ma tablette à moi. Hop. 18h, hop. Où est Navigraph? Où est Navigraph? Il est là. Hop, il s'allume. 80, 82, 88, 101. Boy, à Bobo. Et puis normalement ensuite on a Adada et Agopa. Ouais c'est juste. Tac, le flight. Hop. On le charge. Voilà. On affiche la carte. Donc 80, 82, 80. 8, pardon, 101, ensuite Adobo, Adada, Adada sur mon bidet, et Agopa, donc c'est bien ça, exactement. On est bon pour ce qui est du départ. Au niveau des vitesses, donc c'est bien, on a la vitesse manage ici, maximum 280. On vérifiera juste une fois qu'on aura rentré tout notre plan de vol, que les vitesses ici aussi seront rentrées. Je suis pas sûr qu'elles se mettent automatiquement, mais. On verra. Au pire des cas, on laissera pas en manage. On mettra la vitesse en manuel. Et salut Corsia, comment vas-tu Sébastien? J'espère que tu vas bien. Je te propose de t'installer gentiment dans ton fauteuil, dans ton petit siège, de étendre les jambes et de profiter un petit peu du vol que nous proposons aujourd'hui. Donc un vol qui est, je le rappelle, entre Paris-Charles de Gaulle et Dakar pour ce fameux carnaval de Dakar. On a un stream en deux parties. On fait le départ à midi, on se laisse et puis on se rejoint à 15h15 pour la préparation de la descente, l'approche, etc., etc. Alors, le VIA, j'ai pas ouvert mon PFD donc on va regarder l'OFP ici. Alors, c'est un direct. Ah, bah, c'est que du direct, ok. Alors, hop. Ton avion n'est pas de Todd. Todd. Je connais pas Todd.
Ah, il a pas de Todd. Non, il a pas de Todd. Il faut le calculer. Donc, il est sur la base du 320 Fly-by-Wire qui est en développement. Donc, pas celui qui est expérimental. Donc, il y a pas encore de top of descent. Ouais, il n'est pas encore calculé. Mais c'est pas grave, ça. C'est assez sympa à calculer soi-même. En plus, la tablette, on a la chance d'avoir la tablette du Fly-by-Wire. Donc, tu tapes la vitesse à laquelle tu es. Enfin, tu synchronises la vitesse à laquelle tu es, l'altitude à laquelle tu veux aller. Et il te dit exactement à combien de nautiques de là où tu dois aller être, descendre. Donc, franchement, c'est assez simple, on va dire. C'est assez easy. Donc, je vais ouvrir mon OFP parce que switcher à chaque fois de fenêtre, ça va être pénible. Tac, il est là. Voilà. Ouh, comment il s'est ouvert mon PDF, pardon. Alors, le plan de vol, il est là. Tip top. Alors, on a dit Arkip. Tac. C'est comme ça. Tac. Voilà, nickel. Ensuite, c'est un direct sur Armal. Armal. Tu joues avec le TCA Airbus? Alors non, non, Sébastien, c'est pas que j'ai une allergie, hein, mais je vois tellement de gens qui galèrent à le paramétrer, etc. Et puis clairement, moi j'ai un OTAS Warthog. Je fais beaucoup de simu militaire, donc je vole avec le OTAS Warthog. C'est un joystick qui est la prise en main, etc. Et la sensibilité est excellente. Donc ouais, c'est vrai. Et pour ajouter un petit peu plus de réalisme, on pourrait s'amuser, voilà, à avoir le TCA de Airbus. Mais très clairement, non. Je suis très content de mon joystick. Et j'espère qu'il durera encore longtemps parce que voilà quoi, c'est mon préféré. J'en ai pas essayé des tas, hein, de joystick. J'ai eu aussi le joystick, le Yoke là de SciTech. Et c'était agréable, hein, de voler avec sur les liners, etc. Mais voilà, fallait tout le temps changer, donc remettre le Warthog, remettre le SciTech, mettre le volant pour aller faire de la voiture, etc. Donc ouais, j'ai décidé de garder un seul joystick et très clairement j'en suis vraiment content. BBX, BBX, BBX. Ensuite, bah c'est bien, il y a beaucoup de directs, donc ça va être assez rapide. LMG. Après LMG, c'est encore un direct, c'est Uveli. Uveli. Après Uveli, OSMOB. OSMOB, où est-ce qu'il est? Il est là. Ensuite, Arvid. ARVID. Hop là. Tu le fais à l'ancienne, exactement. Ben en fait, j'ai commencé à rentrer le départ arrivé. Et puis j'ai mon bouton de request plan de vol qui a disparu. Donc j'ai ah merde. Mais c'est pas grave, ça. Voilà, ça permet de montrer aussi également aux gens qui ne l'ont jamais fait manuellement, on va dire, de voir comment on rentre le plan de vol avec donc des points en direct et des points avec des routes. On a des routes qui arrivent. Ben justement, là on a une route. Donc on sélectionne le dernier point à entrer, on vient sur Airways, et ici on va pouvoir entrer notre route. Donc c'est UT 424. Donc ici le VIA, donc c'est la route. Et ensuite on met le dernier point de cette route, donc qui est Papa, Papa November. Donc ce qui fait qu'en fait ça va nous éviter de rentrer tous les points de cette route. C'est-à-dire, on a un point de départ, un point d'arrivée. La route fait peut-être ceci, après redescend, après remonte, après redescend. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de rentrer tous les points. On rentre la route, le premier point, le dernier point, et directement, ça nous mettra sur notre plan de vol tous les points qui sont sur cette route. Eh bien, merci beaucoup pour le Prime, Corsica. Ça fait très très plaisir. Merci pour le soutien. Ensuite, tac tac tac, on a encore une route, uniforme November unité 0, jusqu'au point Charlie, Charlie Juliette,
November. Voilà, donc là pareil, hein, ça va nous rentrer automatiquement dans le plan de vol ensuite tous les points qui sont sur cette route. Ensuite, uniforme Lima. Hop là. De 7 jusqu'au point Bravo Lima November. Bravo Lima November. Ensuite, uniforme November 869. 869 jusqu'au point Papa Echo. Papa Echo Lima Alpha et X-ray. J'ai failli oublier le X, qu'est-ce que c'était? Moi, lors de mon dernier vol avec ce 330, il avait perdu la nav en plein vol transatlantique et j'ai dû finir le vol en manuel. Ah oui, ça c'est... ok. Écoute, moi ça m'est arrivé une fois, mais c'était pas avec le 330, c'était avec le 787, tu sais, avec le petit add-on que tu rajoutes pour rajouter un peu de réalisme. J'ai pas rentré ma star tout de suite parce que, ben voilà, on sait jamais, hein, quand on fait un long vol, le temps il change. Le vent, etc. Donc, je l'avais pas rentré. Quand j'ai décidé de le rentrer, il m'a perdu tout mon plan de vol également. Donc, je me suis retrouvé à me mettre en manuel. Donc, toujours avec le PR, mais en manuel. Et j'ai été obligé de re-rentrer certains points avec la star. Et ensuite, j'ai pu me remettre en manage sur le pilote automatique. Donc, avec le FMS. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé, mais pas avec cet avion-là. J'aurais aimé voir Florian stream. Alors, si tu veux le voir stream, bah, ça sera sur le Discord. À moins qu'il se décide à venir chez nous et puis streamer sur Twitch. Par contre, pas sûr qu'il voudra montrer sa tête. Hein. Et puis, je sais pas si c'est une bonne chose qu'il montre sa tête. Allez, un petit pic, on aime bien l'embêter, notre Florian. Et pourtant, ce n'était pas une fêlure. Ouais, non, c'est... clairement, en fait, c'est... C'est des échanges de données avec le Simu. Mais ouais, c'est bizarre qu'avec le 330, ça l'ait fait. Vraiment bizarre. Est-ce que tu avais la dernière version du 330? Je sais pas. Peut-être, ouais, enfin, si c'est l'informatique, hein, entre les jeux, les add-ons, etc., il peut se passer énormément de choses. Ou là, non, exactement, Sébastien. Ensuite, on continue. Donc, on était à Pélax. Pélax, donc on a encore une route. Uniforme, bravo, unité, unité. Hop, et Mabap. Exactement. Hop là. Alors, c'est dommage, ça fait pas comme ça devrait faire. Normalement, quand on arrive au dernier point, il monte. Et on peut encore rentrer un point. Là, on est obligé d'insérer, de descendre tout en bas, d'aller chercher le dernier point et de continuer à rentrer notre plan de vol. Ça, c'est dommage. Normalement, quand on arrive à la dernière ligne, pouf, il monte d'un cran. Pour ceux qui ont le Phoenix, avec la dernière mage du Phoenix, d'ailleurs, ça le fait. C'est comme ça, et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, on a encore deux routes et deux points à rentrer. Donc, on re-rentre dedans, re-Airways. Et donc, la prochaine route, c'est Uniform November 869. Uniform November 869. Donc, si vous vous souvenez, on l'a déjà rentrée, cette route. Mais pendant le plan de vol, on a dû la quitter. Certainement pour prendre un virage gauche ou droite, et au fil du temps, eh ben, on revient dessus. Si on avait suivi cette route encore pendant un certain temps, on aurait certainement fait beaucoup plus de nautiques que là. Donc on l'a quitté, on l'a rejoint un petit peu plus loin. Alpha Delta Mike, Alpha Delta Mike. Et donc nos deux derniers points qu'on va rentrer avant la star, et ensuite on arrêtera là, on va pas rentrer la piste, etc. tout de suite, parce qu'il y a quand même un petit peu plus de 5 heures de vol, donc entre-temps la piste peut changer, etc. Les données de vol, enfin les données entre le vent, etc. vont changer, donc on va pas le faire tout de suite. Alors, qui c'est qui a retenu, qui c'est qui nous a mis, donc on va autoriser, et bien sûr qu'on va autoriser. Pas sûr que de la connexion dans sa grotte. Je sais même pas exactement. Je sais même pas s'il a de la bonne co. Faudra qu'on lui pose la question, tu vois. On n'est pas prêt de revoir le radar météo sur le Phoenix. C'est le fly-by-wire. Écoute, ça serait bien qu'ils remettent déjà le terrain radar sur le Phoenix, puisque très clairement lors de mon dernier vol, j'étais très surpris de ne pas avoir le terrain radar.
Donc j'aimerais bien, ne serait-ce qu'ils remettent le terrain radar. Ça serait bien, ça serait bien. Yep, mais bon, on regardera ensemble sur Discord plus tard. Pas de soucis, Samy, on regardera pourquoi. Enfin, si on arrive à trouver la cause du problème que tu as eu. Et ensuite, donc, uniforme Roméo. Uniforme Roméo. Tac. 975. Et le dernier point qui est Sierra Lima Oscar. Et donc ça sera l'entrée de notre star. Et puis bah, on va arrêter le plan de vol là. On ne va pas rentrer notre piste comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc on est très bien. Le départ, il est rentré, il est bon. Le flight plan est correct. Il n'y a pas de discontinuity. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure. Oh pardon, un petit rototo. Donc comme on le voit, donc ici j'ai rentré une route. Bah, il n'y a qu'un seul point hein, au final, au bout de cette route, il n'y a pas d'autre. Par contre, pour le prochain, donc on voit, on a la route UN10 et j'avais rentré le dernier point qui était, hop là, qui était CJN, donc Charlie Juliette November. Mais sur cette route, pour aller du point PNN jusqu'à Charlie Juliette November, on a donc Nolsa. On a également Aleppo, etc. Donc on voit que on est toujours sur la même route. Donc ça nous permet de ne pas être obligé de rentrer tous les points, mais uniquement le premier point et enfin le point d'entrée de la route et le point de sortie de la route. Et le FMS va nous mettre tous les points qui sont entre les deux. Et ça fait gagner un peu de temps, c'est pas mal. Donc ensuite, on retourne sur la page Perfinite. On va pouvoir rentrer nos données. Ici, par contre, je sais plus si Fly-by-wire, ça fait un moment que j'ai pas volé avec. Je sais plus s'il faut les rentrer ici également. Alors, Atis, oui, c'est la weight and balance. Ok, donc ici, on va mettre le payload. On va aller regarder tout de suite le payload. Le payload, on a un payload à 22.1. 22.1. Alors, est-ce que je mets les packs? Est-ce que je mets le payload? Alors, les packs, on a 213 passagers, et j'ai oublié d'ailleurs de lancer le board. On va le lancer tout de suite parce que sinon ça va prendre un certain temps pour faire rentrer tous nos passagers dans notre avion. On a déjà 3 minutes, enfin dans 3 minutes on est censé partir et on n'a toujours pas démarré les moteurs, ça va être chaud. Donc 213 packs. Au niveau du cargo, on a 0 cargo et on a un 0 fuel weight à 159. Alors, le Zephyr au fuel weight est à 132. Pourquoi il est à 132? Ah, parce que j'ai encore pas start le boarding. 154, ok. Donc, on a un payload à 22.1, donc c'est correct, c'est juste. Par contre, le zéro fuel weight est à 154. Moi, je l'avais à 159. Il y a un petit écart, il y a une petite différence. Je pense que c'est par rapport à certains paramètres. Cargo hold. Ici, on a. Ouais, je sais pas. Pas grave, c'est pas grave, ça va pas changer grand chose. Alors, c'est dans Init que je vais aller. Voilà la page suivante. Tu vas voler avec Metaflight. Non, je ne vais pas lancer Metaflight en même temps que Smartacar, que le stream, etc. Non, je vais pas le faire. J'essaye de lancer un minimum de logiciel quand je stream pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Là très clairement, si je regarde un petit coup, ah, j'ai des pertes au niveau de la connexion. Ça c'est pas cool par contre. J'en ai pas beaucoup mais j'ai un petit peu. Par contre, j'ai pas du tout de perte de FPS. Donc ça c'est cool. C'est déjà une super bonne nouvelle. Et souvent c'est quand j'ai trop de choses d'ouvert et d'allumé qui fait que j'ai des pertes de FPS au niveau du jeu. Donc on a dit un 0 fuel weight au donc 154 points. Ah, je sais plus. Est-ce qu'il se met automatiquement? On va regarder. Ah, il se met automatiquement. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et au niveau du block fuel, on a dit on a 36.7. 36.7. Voilà, tip top. Donc là, il va nous calculer un petit peu toutes les informations. Allez. C'est long, remarque, hein, il y a beaucoup, donc on va le laisser calculer tranquillement. Donc au niveau des perfs, on va avoir un flaps 1
et down 0.1. Toc. Et on a une température de flex de 61. Hop là, voilà. Thrust Reduction, j'ai pas regardé sur la carte. On peut regarder s'il y a quelque chose rapidement. Donc LFPG. Ah, c'est dommage que sur la tablette du 320, on n'arrive pas à afficher les informations. Tac, alors le départ, il est où? 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 Départ. C'est pas cette page. Je sais qu'il y a certains. Hop. Ok, et là c'est 1850. On va laisser, on va pas toucher. On va laisser comme ça pose aucun problème. Hop, je vais rafficher la carte. Voilà, tac. Comme ça, je l'ai pour moi. Et Rémi, coucou. 1900, 3400. Bah allez, on va mettre merci beaucoup. Clairement, j'avais la flemme de chercher sur toutes les pages. Donc, je suis très très content que tu me le Ah, j'ai cru qu'il allait pas me le mettre. Et hello, passage, exactement. Bienvenue. Re-bienvenue, parce que c'est pas la première fois que tu viens sur le stream. Tu peux t'installer. Au siège copilote, très clairement, comme ça tu vas pouvoir me donner un coup de main. Au niveau des V1, bah, il les calcule tout seul, on va le laisser faire. 146, 150, ah, avec le poids. Bon, remarque l'important, ouais, ça me paraît pas non plus. J'aurais pensé que c'était un peu plus. Que ça aurait été un peu plus haut, mais ça va. Donc, du coup, tac, on est bon au niveau. Information sur notre MCP. Donc on est en manage. On est en manage. Ici, je vais être sûr d'un truc. Je sais que de toute façon, en dessous de 10 000, il va garder les 250. Mais une fois qu'on aura passé les 250, j'espère qu'ici, il tiendra la vitesse de 280. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, alors ça change pas grand-chose au final. Parce qu'il me déplace tout simplement le. Ah, puis il veut plus me le remettre? Ah non, il m'a mis le. D'accord, ok. Oh bah c'est bon. C'est correct en fait, j'ai rien dit. Tac, voilà. C'est comme ça que c'est affiché là-dessus. Donc très bien. Le P101, il est là. On va le mettre quand même au cas où on est déjà dépassé les 10 000. Et puis le 0,88, il est ici. Donc là, il n'y a pas de doute. Enfin, il n'y a pas de risque qu'on ait déjà dépassé les 10 000 ici. Donc comme ça, on est bon. On va pouvoir remettre notre page de perf. Donc ici, on est en manage. On est bien. On a une initial climb à 12 000. Voilà. Manage. Correct. Ensuite, le QNH. Faut qu'on mette un bot pour le QNH. C'est tellement pratique. Tac, on va aller chercher rapidement. Alors, Metar sur. Allez, oh là là. Annulé. Alors, LFG. Donc on est à 10-30. Ah, quand même. On est quand même à 10-30. Ok, l'autre côté, ça s'est mis aussi. Et ici, 10-30 également. Donc on a du vent qui vient du 130. On a 7 nœuds, donc ça va et c'est Kavok. Donc c'est tip-top. Nota bene, si t'es là, Samy, ou même Damien et Kémy, je sais pas s'il est là également. Mettre un bot pour le métard dans le chat. Ça peut être vraiment cool de faire une petite demande dans le chat et que le métard apparaisse tout seul, enfin tout seul, avec l'aide
d'un viewer, bien évidemment. Ici, on est pas mal. Donc, tous les passagers sont rentrés dans l'avion. Au niveau moteur, là, on est correct. Ça, c'est bon. La porte, elle est fermée. Donc, on va pouvoir la verrouiller. Non, dans l'autre sens, s'il te plaît. Voilà. Donc, la porte est locked. Le parking brake, il est OK. Ça, on touche pas. Ça, pour l'instant, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va... cabine. On a la porte cabine derrière qui est ouverte? Bah non, elle est fermée. Elle est fermée. Pourquoi il m'affiche qu'elle est ouverte là? Bizarre, bizarre, bizarre. Alors, tac. Donc on va pouvoir retirer la passerelle. Voilà, la passerelle se retire. La porte est fermée, on est correct. On va pouvoir allumer le beacon. On va démarrer la PU. Mettre les pompes déjà. J'ai pas fait le test des moteurs. Ok, donc on a tout qui est allumé. Ah, ici ça s'allume pas. Ici ça s'allume pas, c'est pas bien. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Et ici pareil, ça s'allume pas. Ah, donc ça, voilà. On a trouvé quelque chose qui ne fonctionne pas sur le 330. Bon, c'est un détail. C'est un détail, mais voilà. Pour le reste, on a bien l'affichage. On a bien l'affichage de la panne, etc. Donc le petit voyant Master Caution et l'alarme de feu. Donc voilà. Il manque une lumière. Une. Ok, donc la PU flaps open. On va pouvoir le démarrer. On va attacher ces messieurs dames. Donc je vais vous demander à vous également d'attacher votre ceinture. Et puis me voilà quoi. Alors je vais pas utiliser G6. Pour la simple et bonne raison que ça fait 3 vols que je dis qu'il faut que je fasse la mise à jour, parce qu'il y a une mise à jour, et que bah, sans avoir fait la mise à jour, il ne veut pas se lancer chez moi. Donc aujourd'hui, encore une fois, vu que j'ai pas fait la mage de GSX, on n'utilisera pas GSX. Mais bon, sur la tablette, oh, doucement, sur la tablette, on a la possibilité de connecter le tracteur et puis de faire notre pushback comme on le souhaite. Donc bah, on va utiliser ça, hein, ça va clairement nous simplifier la vie. Ok, donc il est disponible, on va mettre la PU bleed, on va déconnecter l'external power. Également ici, on va demander au sol de retirer le petit générateur. Voilà, la souris est hyper sensible. Le petit générateur avec le tracteur est en train de nous quitter. Mon OFP, je vais me l'enlever, j'en ai plus besoin. Voilà, c'est pas mal. Ok, donc tout est bon. On va pouvoir demander le repoussage, démarrer, etc., etc., etc. Première chose à faire, on va lancer le tracker. Donc le tracker d'Air France Virtuelle est lancé. Ça serait dommage de faire un vol de 5 heures et qu'il compte pas. Et il me semble que on va pouvoir y aller. On peut pas l'enlever ça ? Non. On ne peut pas l'enlever. Donc, on va demander au tracteur de venir se connecter à l'avion. Tracteur, voilà, qui se déplace. Bon, il va nous faire un de ses virages. Ok, et ensuite, au niveau du taxi, enfin du repoussage déjà, on va repousser comme ça et mettre le derrière par là. Et ensuite, on partira sur notre droite pour rejoindre la piste 08 gauche. Ok, le tracteur est connecté. Quasiment, il est encore en train de bouger. On va attendre un peu. Voilà, il est connecté. On a vu l'avion bouger un tout petit peu. Donc on va pouvoir retirer le frein de parc déjà. Hop là. On va demander à reculer. Et on va lancer le moteur numéro 2. Mmh.
Bon, on va laisser les moteurs gentiment. Tu fais comment pour avoir le safety vidéo? Je te l'ai déjà dit, Samy. C'est avec Lucertool. J'utilise Lucertool pour tout ce qui est les informations de vol, etc. Non, c'était dans le sens que je voulais tourner. C'est pas, je fais pas avec le tracker Smart Takar. Ah, j'aurais pu tourner encore un peu plus, mais vu que je me suis pris un peu tard pour tourner. Pareil, hein, Lucertool, comme je te l'avais dit, disponible gratuitement sur, sur flightsim.to. On va pouvoir démarrer le moteur numéro 2, je pense, voilà. Il est encore pas stabilisé, donc on va attendre encore un peu. Ok, ensuite, on va... Voilà, on tourne dans le bon sens, tip top. Donc on va pouvoir démarrer le moteur numéro 1. On va essayer de pas aller trop loin, hein. Ça serait dommage d'abîmer un peu le l'empennage de l'appareil. Je l'avais DL, mais rien capté à leur interface. On regardera ensemble, Samy, sur le Discord. Ok. Et je vais lui demander de se stopper. Voilà, tip top, on n'est pas allé trop loin. Donc, je mets mon frein de parc et je demande de retirer le tracteur. Ok, donc on a le moteur numéro 1 qui démarre. Ah, le tracteur déconnecté, il s'en va. On a les moteurs qui démarrent gentiment. Et Poletti, bienvenue sur la chaîne d'Air France Virtuelle. Comment vas-tu? Ok, donc les moteurs sont démarrés, ils sont stabilisés. Ça clignote un petit peu là, je ne sais pas pourquoi ça clignote sur le 330. Il me semble que sur le 320 de Fly-by-Wire, ça fait aussi la même chose. Là, on a les informations qui ont disparu, tip top. On va pouvoir terminer. Ça va, merci. Et toi, écoute, ça va super bien. Comme toujours, hein, aux commandes d'un avion, ça va bien. tac, donc on peut couper la PU. Voilà. Ensuite, on va faire notre. Je vais mettre un petit peu plus. Ah, parce qu'on voyait pas grand chose sur l'MCP. On va tester nos commandes de vol. Donc full left, right, full up, full down, et le rudder, full left, full right. Et neutral, c'est tout bon. Eh bien, on va pouvoir mettre armer nos autobreaks, mettre flaps one et également break max au cas où il faille annuler le take-off. Donc ici TARA, ici en automatique. Ici on va mettre également en automatique. Ok, ici on l'allumera une fois qu'on aura quitté et qu'on sera sur le taxi extérieur. Et puis, bah, il me semble qu'on est pas mal. Hein. Tac, tac, les ceintures c'est bon, ça c'est bon. Eh bien allez, on est parti, on va allumer nos... ah, ça allume pas le taxi, juste les runways. Bon, on va le faire à la main, tant pis. Et ben on est parti. Alors on va pull la cabine pour dire que on commence le taxi. Et on va faire le petit test Théo config. Voilà. Donc le message est parti. Et nous aussi également. Ouais, c'est celle-là, hein, notre ligne de taxi. Hein. Alors on a le weather radar hein,
qui est en orange, donc ça c'est normal. Par contre, l'Ignition, moi je le mets sur normal. Voilà, donc on a le message qui est parti. On va remonter le taxi par la droite. Un petit peu de gaz quand même, parce que sinon ça va être très très long. Et mon café, j'en ai encore. Ah, il y a une petite bosse là sur le taxi. On va y aller doucement. Voilà. La scène de l'FPG est vivement qu'un éditeur la fasse, parce que c'est catastrophique. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui s'est déjà lancé sur sur cette scène, parce que très clairement, putain, j'ai mes axes de manette des gaz qui sont décalés entre la manette gauche et la manette droite. C'est embêtant. Bon, c'est pas très grave. On va essayer de gérer comme ça. Très compliqué à faire l'FPG en termes de... Ouais, c'est pas faux! C'est pas faux. Autant l'optimisation, puis... Et puis, très clairement, il y a aussi pas mal de... C'est grand, c'est très grand l'FPG, donc il nous faut un grand grand éditeur. Après, des éditeurs, il y en a plein. C'est facile, ils savent hein, faire les choses. Très clairement, Orbix, par exemple, nous a sorti un très beau Innsbruck qui est pas mal optimisé. Donc je vois pas pourquoi ils arriveraient pas à sortir l'FPG. Alors certes, c'est beaucoup plus gros, etc. Mais c'est des gros éditeurs et qui savent faire le travail. Et je trouve dommage qu'on n'en ait pas une. Je vais finir par prendre le sujet si l'année prochaine il n'y a personne dessus. Ah, ça serait une très bonne nouvelle, Samy. Ça serait une très bonne nouvelle. Alors, il y a beaucoup de boulot, hein, très clairement. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de réussir à faire quelque chose de bien. C'est dommage, hein, parce que fut un temps la petite. Il y a un petit dossier là, à télécharger sur flightsim.to. Qui change un peu les mèches et normalement qui. Il faut que je regarde mon taxi quand même. Airport. Que je me loupe pas au niveau de la sortie parce que ça va pas tarder à être par là. Hop, ah, mon avion il est où? Ok. On va aller jusqu'à T1. Très clairement, on va aller jusqu'à T1. Je pense que oui. Après, ça coûte cher à faire. Ça coûte. Enfin voilà. Mais comme je dis, les gros éditeurs comme Orbix et même d'autres, il n'y a pas de raison. Ils arrivent à faire sur d'autres simus bien optimisés. Pourquoi n'y arriveraient pas sur MSFS? Je sais qu'MSFS, il y a des contraintes pour tous les éditeurs d'add-on. Il y a certaines contraintes pour certaines choses. Mais très clairement, voilà quoi. Le niveau d'information accessible pour le faire n'est pas évident non plus. Exactement. Exactement. C'est. Voilà quoi. Ils bloquent beaucoup de choses, Microsoft. La première chose qu'ils ont bloquée, c'était pour le contexte de la météo. Donc là, une UT3, UT2 et UT1, c'est la dernière. C'était le contexte de la météo parce qu'ils avaient fait un partenariat avec je sais plus qui pour la météo. Ah putain, c'est chiant le. La sensibilité de la manette des gaz. Ils ont fait un partenariat pour la météo et très clairement ils ont bloqué beaucoup beaucoup de choses pour éviter tout simplement que des éditeurs tierces sortent une météo fabuleuse alors qu'ils avaient fait un partenariat avec un autre éditeur. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont accessibles et puis ouais, tu vois Orbix ou même d'autres. Hein. Je dis Orbix parce que c'est les premiers qui me viennent en tête, mais ils envoient un mail où ils passent un coup de fil à MSFS en disant écoutez, on veut vous sortir une scène de fou, etc. Ben voilà, ils vont faire de nouveau un partenariat et puis ça sera top quoi. Alors, on va tourner pour s'aligner au niveau de la piste 08 gauche. Ça bloque encore la main. Exactement, ouais. Ça bloque encore, ouais. Alors, on ne sait pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, ouais, c'est bloqué.
Ok, le radar météo, on va pouvoir l'allumer. Normalement, il n'y a plus de personnel au sol par là. Et puis, on va s'arrêter au point d'arrêt. Et donc là, temps clair, hein, on peut s'arrêter au dernier point d'arrêt. Je sais pas si vous savez à quoi servent les différents points d'arrêt. C'est, je vais mettre le frein de parc et je vais vous expliquer un petit coup, très rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le gros du détail. Hop là. Donc, j'ai cru qu'il avançait encore. Donc les différents points d'arrêt, en fait, tout simplement, c'est suivant les catégories d'ILS qui sont proposées sur les pistes. Là, très clairement, c'est catégorie 1. Hein, il fait très beau, il n'y a pas de nuages, rien du tout. Quoique, un petit peu plus loin là-bas, bah, on avait du brouillard ce matin, donc je pense que c'est les résidus de brouillard. Donc, en catégorie 1, on peut venir se poster jusqu'ici. Catégorie 2, c'est ici, au deuxième. Et catégorie 3, c'est encore plus loin. Je ne sais pas si celle-ci est en catégorie 3, j'en ai aucune idée. Il faudrait qu'on regarde. Je pense qu'elle est en 4-3. Oui, elle est là. Il y a marqué 4-3. Ici également, il y a marqué 4-3. Donc on n'a pas de point d'arrêt pour 4-2, mais on a le point d'arrêt 4-1 et on a celui de 4-3. Donc je pense qu'en 4-2, on doit pouvoir venir se mettre ici également. J'en sais rien. En fait, tout simplement parce que plus la catégorie change, plus la précision de l'ILS est précise. Il faut éviter toutes les interférences. Un avion, tout simplement, avec les ondes qu'il émet, mais ne serait-ce qu'avec ses ailes et la carlingue, entre guillemets, peut dévier les ondes, etc. Donc faire des interférences et perturber le bon fonctionnement de l'ILS. Donc c'est pour ça que lorsque le 4-3 est activé sur une piste par météo dégueulasse par exemple, les avions ne doivent pas dépasser le point d'arrêt 4-3, tout simplement. Donc voilà, après les trucs techniques, etc., je laisserai d'autres en 4-3, voilà, c'est ça, elle est en 4-3, ouais. Je laisserai d'autres en parler, ils en parleront certainement beaucoup mieux que moi. Donc, on va se faire, j'ai pas touché à la checklist, mais on va faire la before take-off quand même rapidement. Donc, les flight control, check, flat instrument, check, le briefing, il confirme. Flap setting, on est sur flaps 1. V1, VR, V2, on est à 141, 144 et 150 de mémoire. 144, 146, 150, pardon, bah, mémoire poisson rouge. La flex temp est à 61 degrés. Elle n'est pas affichée là-dessus, hein. Non, elle n'est pas affichée. ICAM Memo, Théo No Blue. Take-off runway, donc on va avancer pour voir tout ça. Voilà. On enlève le frein de parc, on va mettre nos feux de landing. Les runway turn-off, on n'en a pas besoin. Tu peux diminuer le son d'ambiant de la cabine. Alors oui, je peux le diminuer très clairement. Et oula. Ah, la sensibilité du joystick, il faudra vraiment que je revoie ça. Je peux le diminuer sans aucun souci. Voilà, en sachant que dès qu'on aura mis les moteurs en marche pour le décollage, on va quasiment plus rien entendre avec le son des moteurs. Donc, take-off runway, donc 08 left, confirme, cabin crew at DVZ, le TICAS, il était en mode automatique. Là. Il était en mode automatique, mais on va le passer sur on. On va également allumer le strobe. Engine mode selector, il est sur normal. Et les packs sont sur on. Je décolle toujours les packs sur on, sauf grosses restrictions, etc., etc. Eh bien, on est paré. On va pouvoir gentiment eh bien, lancer le décollage. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Tout est fonctionnel. Et bien on est parti. On pousse nos moteurs.
Non, pas en toga. J'ai le frein de parc? Non, j'ai pas le frein de parc pourtant. Ah oui, il avance, c'est bon. Alors, tac. Tac, voilà. Donc, Manflex plus 61, SRS Runway, etc. etc. Et on est parti. Et salut Arma 3, etc. etc. Il est long ton pseudo. Bienvenue à toi. Ton jeu bug un peu. Alors, c'est la co internet qui bug un peu. J'ai des petites paires, des petites latences. Ok, on est parti, on décolle. Positive climb, gear up. Le départ est quasiment dans l'axe et puis ensuite on fait un virage droite pour rejoindre trafic. Il n'y a pas de trafic, mon ami. J'ai déjà vu plus long, MDR. Ouais, exactement. Beaucoup plus long. Ok. J'arrive pas à le mettre. Alors, je vais brancher le pilote auto. Attends, on est bien dessus. Ah là, c'est bon. Compliqué, hein, la manette des gaz. Il va falloir que je regarde un petit peu dans la tablette quand je serai en cruise. Le pourquoi de pourquoi de comment. Parce que très clairement, je sais plus où c'est. Ça doit être par là. Je sais plus où c'est qu'on règle la sensibilité de la manette, mais je regarderai. Parce que très clairement, ça va être pénible, surtout pour l'arrivée. Ok, top. Ok, donc on va pouvoir couper les spoilers. Les seatbelts, on les laisse. On a rentré le train, donc on va pouvoir couper celui-ci. Voilà. On a passé les 5000, on va pouvoir se mettre en configuration standard. Voilà. Oh, il m'a enlevé le manage. Ouais, il m'a enlevé le manage. On va le mettre à 250. Et Satidrake, salut, bonjour, re-bienvenue sur la chaîne d'Air France Virtuelle. J'ai pas lancé le chronomètre, oh, c'est pas très grave. Je l'ai déjà ailleurs. Hop, on va le lancer. Voilà, comme ça, il est fait. On a décollé depuis 1 minute seulement, donc ça va. On aura 1 minute de décalage. On peut rentrer les flaps. Flaps rentrés. Ça, c'est bon. Et ici, on est bon également. Voilà, donc on arrive à 250 nœuds. Au niveau du tracker, tac, 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 tout va bien. Ah, il s'est pas lancé le... Ça y est, c'est bon. On arrive à 10 000 pieds.
Donc on va pouvoir couper les landing lights. Ah bah il m'a remis. Ok. On va attendre le prochain virage et ensuite, ensuite on coupera. Est-ce qu'il veut se mettre en manège? Non, il veut pas. Donc on va monter. On va se mettre à 2,80. On doit pas dépasser les 2,80. On va attendre le prochain virage et on détachera donc les passagers. Ok, on arrive à 12 000 pieds. Tu vas se stabiliser gentiment. On attendra un petit peu. Quand on aura fini le virage, on sera autorisé donc à monter à notre niveau de vol qui est 37 000 pieds. Ok, on va afficher 37 000. Voilà, on affiche 37 000. Virage long. C'est un Airbus, cet E-Drake, ouais. C'est un Airbus, c'est le 330-900 qui est disponible gratuitement sur flightsim.to. Il a été fait sur la base du 320 de Fly-by-Wire. Donc c'est un avion, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. En tout cas, c'est l'avion le plus correct pour faire du long courrier sur MSFS au jour d'aujourd'hui. Dans quelques temps, ça sera différent. Voilà, donc on monte à 37 000 pieds. Donc dans quelques temps, ça sera un petit peu plus différent, mais très clairement là, ouais, c'est le meilleur. Ouais, j'ai fait un petit rototo là, incroyable. Pourtant, j'ai rien mangé ce matin, c'est bizarre. Le fait que je pouvais pas mettre le manège, je pense très sérieusement que c'est parce qu'on a rentré au niveau du plan de vol ici. On a rentré les vitesses maximales donc jusqu'à Agopa et que avant, bah vous voyez, on a les trois petits tirets là. Donc avant pour lui, vu qu'on lui a pas donné de vitesse, il n'a pas voulu se mettre en manège. Très clairement, je pense que c'est pour ça. La prochaine fois, quand on changera les vitesses, on les changera jusqu'au-dessus. C'est pénible, parce que ça fait rentrer beaucoup de fois les vitesses externes, mais très clairement, sinon le 330 en tout cas ne prendra pas en compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 320 Phoenix et PMDG, etc., et dans la vraie vie, tout simplement, où est le niveau d'essence? Alors, c'est pas de l'essence, hein, ça, Drake, hein. C'est du fuel, hein. Il est ici, donc fuel on board, donc c'est le fuel qui est présent à l'intérieur de l'avion. On est à 33 tonnes et 720 kilos. Donc voilà, on va arriver au point Papa Golf, unité 0 unité, où on a notre. Bon, et je vais y arriver, la souris, elle me joue des tours, hein. Où on a notre vitesse max à ne pas dépasser jusqu'à Agopa. Donc là, on va pouvoir repasser la vitesse en manage. Et bonjour Grégory, comment ça va? Pépé le vieux, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Eh ben écoute, ça va super, j'espère que toi aussi ça va bien. Que tu es en vol actuellement, peut-être. Ouais, ça me fait plaisir de te voir, de vous voir. Je suis content de voir tout le monde, bien sûr, hein. On est là pour partager, pour discuter ensemble. Donc si j'étais tout seul, très clairement, hein, déjà je m'ennuierais et puis en plus, ça serait pas super. Donc, je vais passer la vitesse en manage. Et il veut pas. Ah, il veut pas. Alors, on va regarder, il y a autre chose. On a autre chose qui nous embête. Perf.
Active Mode, il est sélectionné. Ah, c'est là, la vitesse maxi. Mais moi, je vais me mettre en manage. Au niveau, on est à 0,6. Tac, tac, tac. Pour vous, c'est un jeu ou un boulot? C'est un jeu, Salty, c'est un jeu. Certains chez nous, comme Kemi, sont pilotes, donc ils volent en 3,20. Donc pour eux, c'est le boulot avant d'être un jeu. Ça m'emmerde de pas pouvoir passer en manage. On va attendre de passer à GoPap. On pourra certainement passer en manage à partir de là. Et on verra par la suite. Mais très clairement, non, c'est un jeu, Sati Drake, hein, c'est un jeu. Et non, en ce moment, j'ai beaucoup de boulot, j'ai pas le temps de voler, mais ça me manque, tu peux pas savoir. J'imagine. Quand j'ai des grosses semaines et que je vole pas du tout de la semaine, je suis vraiment content de pouvoir voler un minimum le week-end. Parce que ouais, ça manque, hein, c'est une drogue. Une passion, c'est une drogue, donc forcément. moi, je faisais partie de AFRV, mais j'ai pas pu voler depuis un moment, donc je pense que mon compte est devenu inactif. Alors oui, t'as été groundé, Pépé, mais en passant sur le Discord, tu peux faire une demande en disant que bah voilà, t'as pas eu le temps de voler et que tu souhaites revoler, et ton compte va redevenir actif directement. Faut pas t'inquiéter pour ça, Pépé. C'est quelque chose qui se fait très rapidement en plus. Il faut juste en faire la demande, simplement. Du coup, on va pouvoir détacher nos très gentils passagers et vous-même qui êtes dans le chat. On est en train de monter tranquillement à notre niveau de croisière. Agopa, c'est pas pour tout de suite. Alors, il nous reste 9, 15 et 13 nautiques. Donc 28 et il nous reste 35 nautiques environ avant d'arriver à Agopa. Et de pouvoir accélérer et puis rejoindre notre destination qui est Dakar pour participer à ce fameux carnaval. il vient de me passer un truc par la tête. C'est non, non, je le ferai pas. Non, 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 non. C'est pas la peine d'insister. J'étais en train de me dire que pour la deuxième partie du stream tout à l'heure cet après-midi, pour l'arrivée à Dakar, vu qu'on arrive au carnaval, je me serais bien déguisé. Mais non, 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 c'est. Cette idée doit sortir de ma tête et vous devez pas m'encourager à le faire. Ok, super. Très bon à savoir, exactement. Il n'y a pas de souci, Pépé. Je suis là pour ça, tu sais bien. Tu fais un bon petit vol là, ouais, exactement. LFPG, donc Paris Charles de Gaulle, Dakar, GOBD. C'est un joli petit vol. Je le rappelle, c'est un vol event qui a lieu du 1er novembre au 30 novembre ou 31 novembre. 30 novembre, c'est un mois à 30 novembre. Donc du 1er au 30 novembre, vous pouvez participer à l'event avec comme destination donc Dakar pour emmener des passagers qui veulent participer à ce superbe carnaval de Dakar. Les départs sont, corrigez-moi si je me trompe, Samy, si tu as l'info, parce que je sais que je vais en oublier. Paris Charles de Gaulle, Paris Orly, Amsterdam, Lyon, il me semble, et je crois qu'il y en a encore un autre, voire deux, mais je les ai oubliés. Je les ai oubliés et j'ai. Ouais, bah, je suis bête. Je peux regarder rapidement là. Pas de soucis, je viens de voir le message, Samy, je m'en occupe. Alors, où est la petite information? Je sais que je l'ai par là. Tac, tac. Allez, 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 faut que je remonte le fil d'actualité. Voilà, je l'ai. Donc on a... ah non, il n'y en a que 4 au final. Donc on a Paris Charles de Gaulle, Paris Orly, LFML, donc c'est Marseille. Et puis on a LFLL. Donc en fait, c'est que des départs en France. Amsterdam, j'étais complètement à côté de la plaque. Donc désolé, j'ai donné une info qui n'était pas tout à fait juste. Donc Paris Charles de Gaulle, Paris Orly, Marseille et un dernier départ de Lyon. Donc tout ça pour aller à destination de Dakar. Avant que j'oublie, parce que j'allais passer déjà à autre chose, Sati Drake. Une petite dédicace pour toi de la part de notre cher CEO Bertin.
Il te fait de gros bisous. Voilà, nous aussi. Au plaisir de te revoir chez nous dès que tu te libères. Exactement, exactement, ça fera très plaisir de te revoir parmi nous. En plus, je sais que tu aimes cette belle livrée Air France qu'on retrouve sur tous les avions de la flotte. Livrée simple, épurée, blanche, immaculée, avec le superbe logo et puis bien sûr le petit drapeau Air France sur l'empennage. Donc oui. Reviens, reviens, Pépé. Pas de soucis, Sati, pas de soucis. Dernier virage avant de sortir donc du contrôle enfin, pas forcément du contrôle, mais de l'acide, en tout cas, du départ de Charles de Gaulle. D'ici 10 nautiques, on passera à Gopa. J'espère très sincèrement que je vais pouvoir repasser ma vitesse en manage. Sinon, on va trifouiller le FMC, le FMS, pardon, pour le mettre, hein, pour regarder pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai eu pas mal quand même de pertes au niveau de la connexion. Je pense que quand on aura bouclé le stream avant de relancer le stream de cet après-midi, je relancerai ma connexion. Après, il doit y avoir mon fils au-dessus. J'espère qu'il n'est pas en train de télécharger, le salaud. Mais voilà, ça va bien se passer. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Non, toujours pas, hein. Télécharger quoi? On se demande bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, ça va, il va sur ses 14 ans. Il est sur sa console au-dessus, il a encore pas de PC. On en a parlé il y a pas longtemps là, de lui installer un PC pour qu'il se mette à jouer, que ça devienne un PC gamer et plus un consoleux. Mais pour l'instant, il n'a pas de PC, donc il peut pas télécharger ce qu'il veut. Je peux essayer. Je vais attendre de passer à Gopa. On va regarder un petit peu. Par contre, très clairement, si je vois que j'ai des pertes de FPS parce que j'allume Chrome, j'arrêterai direct. Mais oui, on va regarder un petit coup. On va essayer de regarder un petit coup. Ok, on a passé à Gopa. Et il veut pas se mettre en manage. Donc. Eh ben ouais, ça va être terrible hein, s'il faut rester comme ça. Perf. Donc on est en climb. Moi je veux être en manage. Et il ne veut pas. Et il m'emmerde. T'as eu le même souci? Ok. À quoi sert la calculette? Quelle calculette? Celle qui est sur la tablette. Alors la calculette qui est ici. Donc c'est pour calculer notre top of descent. Le fly-by-wire, donc du coup le 320 qui est. Enfin le 330 qui est basé sur le fly-by-wire. Il a un petit souci. Enfin il n'a pas de. Il n'a pas de vénave d'intégrer au niveau du calcul de top of descent, etc. Donc en fait, il faut calculer ton top of descent. Donc tu synchronises ton altitude, on est à 37 000 pieds. Tu lui dis à quelle altitude tu veux aller, c'est-à-dire par exemple 10 000 pieds, à un angle de 3 degrés qui est l'angle standard de descente chez Airbus, et même chez tous les avions. Et ici, ça te dit à quelle distance du point auquel tu dois être à 10 000 pieds, tu dois commencer ta descente. Tout simplement. Et ensuite, il y a une deuxième partie pour le landing où tu rentres tes informations et qui vont te calculer la distance qu'il va te falloir pour atterrir, etc. Mais ça, on le verra cet après-midi. Donc, je te donne rendez-vous, Sati Drake, cet après-midi. Et puis, on fera les calculs, etc. Et je te montrerai le tout en détail. Alors non, 0,82, est-ce que ça fonctionne? Non, il ne veut pas le prendre.
Donc en cruise, on est à 267. Ah, ça y est, c'est bon. Alléluia, on est passé en cruise. Donc on avait un souci sur la montée. Par contre, pourquoi? Pourquoi là, j'en ai strictement aucune idée. Donc on a la partie bleue qui est partie. Ah, je sais pas. Je sais pas. Là, il va falloir que j'investigue et que je comprenne pourquoi. Peut-être il aurait fallu mettre le 0,82 là pour le pour l'activer, je sais pas. Et il va falloir que j'investigue. Pas de soucis, Sati, pas de soucis. C'est bizarre car le tableau de bord a 1 heure de retard. Ah non, c'est pas c'est normal. C'est l'heure Zoulou. Donc là on est en hiver, on a 1 heure de décalage. C'est pas du retard, c'est du décalage. Et en été, il y a 2 heures. En tout cas pour Paris. Donc l'heure Zoulou, si tu préfères, c'est 1 heure qui est calculée pour que tout le monde, peu importe où tu es sur la Terre, ait la même heure. Voilà, en gros, on va dire que c'est ça. Donc, il y a nous à Paris pour l'hiver, on a plus 1, mais par exemple à Dakar, il y a plus. Eh ben, je vais regarder ça tout de suite. Tac, quelle heure est-il? Il est 11h46. On va passer le dernier quart d'heure parce que là, du coup, on est en cruise, on a strictement rien à faire à part contrôler de voir si l'avion part pas en cacahuète. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors, tac, je vais ouvrir. Heure Zoulou. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Dakar. Alors, il est 10h45 UTC. 10h47, pardon, à Dakar. Donc là, 11h47. Donc il y a plus 1 également à Dakar. Voilà, on est à peu près dans la même. Comment on dit? Hémisphère? Non? Oh, je suis mauvais de ce côté-là. Je vais avoir du mal à vous expliquer. Alors attends. On va faire comme ça. Comme ça. Alors, fuseau horaire. Merci, Samy. Voilà, c'est ça. Hémisphère, c'est la partie nord et partie sud. Et oui, fuseau horaire. Donc les fuseaux horaires vont de haut en bas. Mais dès que tu te décales un petit peu sur la gauche ou dès que tu te décales sur la droite, c'est soit tu passes en plus, soit tu passes en moins. Trop beau les graphismes, ouais, c'est assez joli. MSFS nous propose quand même des choses qui sont vraiment très très jolies au niveau des graphismes. Là, on a de la brume. Donc ici, on est au niveau de qu'est-ce qu'on a? On va laisser charger. Donc Centre-Val de Loire. Il y a Bourges. Donc on est en train de faire un petit virage gauche. On va passer au-dessus de Bourges. Ah non, le virage droite, pardon. Donc on va pas passer au-dessus de Bourges. Bourges qui doit être. Oh, ouais. Calme-toi la souris, calme-toi. Bourges qui doit être par là. Voilà. Exactement, monsieur Nightbot. Si vous ne volez pas encore avec Air France Virtuelle, n'hésitez pas à nous rejoindre. Est-ce qu'il l'a mis? Non, il l'a pas mis. Alors je vais le mettre. Hop là, je vous mets également tous les réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok. Et puis, vous avez à peine plus haut la chaîne YouTube, ainsi que le lien pour rejoindre le Discord, qui est ouvert au public. Donc, vous pouvez partager, venir partager et venir chercher, glaner quelques petites informations auprès du staff ainsi que auprès des pilotes d'Air France Virtuelle. Et pourquoi pas vous donner envie de rejoindre la compagnie. Et puis, on va. Alors, je vais ouvrir Google Chrome. Je sais que Chrome, c'est pas le meilleur des navigateurs, hein, mais. Alors, Air France Virtuelle. Voilà. Pas de perte de FPS, tout va bien. Et je m'aperçois que j'ai même pas mis l'overlay. C'est dommage, le petit overlay. Alors, hop là.
Nous voici en direct sur le site d'Air France Virtuelle. Donc vous voyez la carte, le planisphère, il me semble que je me trompe pas, avec donc en blanc tous les avions de nos pilotes qui sont en train de voler. Donc vous voyez ici ma dernière position. Voilà, j'ai atterri au Japon. Et donc on voit également tous les pilotes et nous, nous sommes ici, voilà. Donc on a les informations, alors vous n'allez pas tout voir, voilà, je vais me mettre comme ça, hop là, on triche un petit peu, voilà, de la taille de l'écran, tip top. Donc on a les informations du vol, donc on voit qu'on est en cruise à 37 443 au niveau du sol. Donc c'est pas par rapport au QNH 10-13, le QNH standard, donc c'est bien par rapport au sol. On a une vitesse de 435 nœuds au niveau du sol également, et le temps restant avant l'arrivée à Dakar, 4h59. Ensuite, on a aussi une petite info sympathique juste ici, à l'heure à laquelle nous sommes en vol, c'est-à-dire 11h51 samedi matin, samedi 12 novembre pour être précis, nous avons 18 pilotes Air France virtuels qui sont en vol. On peut également afficher les VATSIM, donc pour avoir toutes les tours, les régions, les centres, etc. qui sont ouverts. On peut également afficher IVAO, etc. Donc on a vraiment les aéroports actifs, etc. etc. Donc on a vraiment une très grande possibilité sur cette jolie petite carte qui se met à jour, sauf erreur, tous les 5 minutes. Samy, je sais pas si tu peux me confirmer, mais il me semble la carte se met à jour. Ah bah c'est écrit là. Carte mise à jour toutes les 5 minutes, voilà. C'est comme le pare-salut, c'est écrit dessus. Oh oh oh, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est ma faute. J'ai tapé sur le clavier et j'ai appuyé sur déconnecter le déconnecter la paix. Et j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur. Alors, ensuite, revenons sur notre site Air France Virtuelle. Ici, nous avons la possibilité donc de choisir les groupes flight, les missions en réseau, les work trip ainsi que les missions ponctuelles. La mission ponctuelle pour le vol de Dakar est prévue ici, donc on voit que c'est du long courrier en cargo AFRV, Grand Carnaval de Dakar, c'est du 7 novembre, donc c'était pas du 1er, c'était du 7 novembre au 27 novembre, vous voyez, j'étais pas tout à fait juste dans les informations que je vous donnais tout à l'heure, et ensuite dans les fiches de mission, eh bien on a toutes les informations avec les terrains de départ, les terrains d'arrivée, les avions autorisés, etc., etc., et c'est comme ça pour tous les events. Et comme vous le voyez, on a pas mal d'events qui sont ouverts. Donc n'hésitez pas à pour les pilotes à venir. Quel est le master switch? Le master switch, il est c'est celui-ci, le master switch. Et celui-ci, c'est pour les Engine Fire et la PU Fire, sauf erreur aussi. Je crois qu'il s'allume aussi pour la PU Fire. Et le Master Switch, il est là. Et après, si tu me parles du Master Switch pour l'autopilote, il est ici. Autopilote 1, autopilote 2. Donc quand on fait des ILS catégorie 3 par exemple, ou même 2 ou même 1 pour avoir plus de précision, on enclenche les deux AP, le lock, et une fois qu'on a capturé Glide, l'approche. Voilà un petit peu pour les petites infos que je pouvais te donner à ce sujet. Donc ensuite, live map, on va revenir sur la live map. Là, nous, on a toujours nos pilotes. Pour réserver un vol, c'est très simple. On a pas mal de petites informations. Donc, réserver un vol en liner. On a les prochains départs qui sont des départs qui sont lancés sur les horaires réels, etc. de toutes les compagnies, que ce soit Air France, KLM, Transavia et même toutes les compagnies avec lesquelles Air France a du code share.
Donc bah voilà, si on se dit bah tiens j'ai envie de faire un vol réel, c'est quoi le prochain? C'est Air France 76-76, de Paris Charles de Gaulle à LRFN, c'est Nantes sauf erreur, et c'est en embarreur 190. Voilà, après si vous voulez en Airbus A320, bah vous prenez le prochain qui est d'Amsterdam à Rome, LIRF sauf erreur. Donc voilà, ça c'est assez sympa, ça permet de pimenter un petit peu et puis voilà, de faire un vrai vol qui va partir en même temps que vous, si vous vous arrangez pour faire le bon départ. Bonjour, c'est marrant, on dirait que tes bouquins bougent sur ton étagère derrière. Alors non, bien vu. Non, en fait, c'est mon bureau qui est pas voilà, il a pas des pieds avec un diamètre de cochon. Si je tape un peu dessus, tu vois, hop, j'ai mon écran du coup qui bouge. Du coup, la caméra qui est posée sur l'écran bouge également. Et derrière, tu vois bouger. Ne t'en fais pas, ma maison n'est pas hantée, tout se passe bien. Et du coup, bienvenue à toi. C'est la première fois qu'on te voit dans le chat. Donc, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue, chère France Virtuelle. Alors, je viens de voir un petit détail. Voilà. J'avais ma manette des gaz qui a bougé un peu. Il faut absolument, juste après le vol, que je règle la sensibilité de la manette des gaz. Parce que très clairement, elles sont pas symétriques. Ma manette IRL sur mon Warthog, c'est pas symétrique par rapport au jeu. Donc je dois avoir un petit souci. Normalement, sur Fly-by-Wire, on peut les régler ici. Mais sim option, c'est là, calibré. Donc je regarderai après, hors stream. Je vais pas le faire pendant le stream parce que j'ai pas envie de foutre le dawa, le bordel, comme on dit. Donc je regarderai après. Je suis pilote Air France virtuel. Ah, quel est ton call sign sur You? Donc je continue rapidement les explications. Donc on a également le flight dispatch. Donc le flight dispatch, c'est vous avez des informations de préférence à créer, l'avion que vous voulez, etc. Le départ de où, combien vous voulez d'assignation de vol. Et ensuite, quand vous cliquez sur générer, ça vous propose des vols. Et donc ça va vous faire tout simplement une rotation, par exemple. Paris-Marseille, Marseille-Paris, voilà, je dis n'importe quoi. Ou Paris-Lyon, Lyon-Marseille, voilà. Après, tout dépend le nombre de rotations que vous choisissez. Vous pouvez aller jusqu'à 10 rotations. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Si vous voulez voler tout le week-end, lundi et dimanche, il y a de quoi faire. Très, très clairement, il y a de quoi faire. 44,95, d'accord. Donc, ça fait un petit moment déjà que tu es chez nous. Eh bien, bienvenue sur la chaîne. Je pense que tu es déjà venu nous voir quelques fois, mais sans nous dire bonjour. Donc, ça fait très, très plaisir d'avoir ton petit message sur le chat. Et nous avons encore donc l'Aéroclub. Aéroclub, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. On a fait un petit tuto rapide sur comment utiliser l'Aéroclub, à quoi il sert, etc. Donc je vous invite à aller sur YouTube. On a la possibilité d'afficher la carte France au 1/500 millième, également d'afficher les notam, etc. Donc voilà, je vais pas trop en parler, mais vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Vous cliquez sur, enfin vous pouvez chercher dans la recherche la vidéo intitulée Aéroclub et vous tomberez dessus. Hey, Bozo Bozo, coucou! Comment vas-tu, Bozo? J'espère que tu vas bien. Et puis, dernier briefing, je vous avoue que je ne l'ai jamais utilisé, donc on va le découvrir ensemble. Réservation de vol. Dernier briefing. Samy, t'es là? À quoi sert le dernier briefing, s'il te plaît? Ah, tu vas bien, ça me fait plaisir que tu ailles bien. Merci à moi. Oui, j'étais déjà passé quelques fois sans intervenir. Ah, bah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On aime aussi les gens qui viennent pour le plaisir, ne serait-ce que pour voir ce qui se passe chez Air France Virtuelle et également apprendre un petit peu. On ne sait pas tout, mais on essaye de vous donner le maximum d'informations qu'on peut vous donner et répondre à vos questions quand il y en a. Ça affiche ta dernière réservation. D'accord, ok. Donc, bah, très clairement, tu vois, la dernière réservation, je suis en train de faire le vol. Ça ne me l'affiche pas, Samy. Dernier briefing, pouf, j'ai rien.
Donc je te laisserai regarder si je te laisserai regarder s'il n'y a pas un souci dans le dans la petite info. Du coup, comment on réserve un vol? Eh bien, on vient sur réserver un vol. On a plusieurs compagnies. Donc en Europe, on a Air France, KLM, Transavia. Donc Transavia France et Transavia normal. Donc c'est la Hollande, etc. Air Corsica, ITA. Donc c'est Italia. Air Europa, Tarom et Martinair. En ce qui concerne les autres pays, on a, enfin les autres continents, on a l'Amérique avec Delta Airlines, Aeromexico, GOL Airlines et WestJet qui s'est rajouté il y a maintenant 2 ou 3 semaines. Réserver un vol en live. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est dès que tu quittes et puis que tu reviens, il faut. Ben, ouais, d'accord, j'ai compris, Samy, j'ai compris. Le travail à son coéquipier, exactement. ensuite, au niveau de l'Asie, on a Vietnam Airlines, Garuda Indonesia et China Eastern Airlines. Et puis ensuite, on a également dans la catégorie autre, le vintage. Donc tous les avions qui ont fait partie de la flotte Air France, KLM, Transavia, mais qui ne volent plus. Qui ont été retirés du service, on a toutes ces lignes qui sont disponibles, comme par exemple, comme vous m'avez déjà vu voler une fois en stream, mais je l'utilise beaucoup de fois, donc le Concorde, on a également donc les 747, les BAE, des ATR, les Airbus A340 et A380. Et bien d'autres. Donc pour ça, pour avoir accès à toutes les compagnies, ainsi qu'au vintage, il y a un petit tableau qui vous indique combien d'heures de vol il vous faut, s'il y a des QT, donc des qualifications à passer. C'est un petit questionnaire de 20 à 40 questions sur l'aéronautique, hein, tout simplement, sur des cours PPL, etc. C'est en révisant un petit peu, ça va, ça va. C'est pas compliqué. C'est sûr que quelqu'un qui ne connaît rien va avoir beaucoup de mal à le faire. Mais en potassant un petit peu parce on vous donne les outils pour pouvoir répondre aux questions. Donc non, c'est faisable pour tout le monde. Donc voilà, voilà un petit peu tout ce qu'on a. On peut choisir donc par exemple chez Air France du court courrier ou du long courrier. On peut choisir de sélectionner uniquement une date pour pouvoir voler. Par exemple aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Bah tiens, il y a ce vol qui est prévu aujourd'hui à telle heure, je veux faire celui-là, je veux me baser sur les heures réelles, eh bien vous pouvez, et aucun souci, mais vous pouvez également ignorer la date, ce qui vous permettra d'afficher la totalité des vols pour toute la semaine, pour la compagnie sélectionnée, ainsi que pour l'avion sélectionné. Donc chez Air France, on a tous ces avions qui sont disponibles, donc c'est les avions qui sont en vol IRL au jour d'aujourd'hui, hein, tous les autres avions qui ne volent plus sont dans la catégorie compagnie vintage. Et puis, vous pouvez également décider de choisir l'aéroport de départ et ou l'aéroport d'arrivée si vous souhaitez faire un vol d'un aéroport en particulier. Donc voilà comment on réserve. On va faire un petit test rapide LFPG avec un A220. Tiens, hop. Faire une petite recherche. Voilà, on a tous ces vols à départ de LFPG avec l'A220. Donc je vais sélectionner celui-ci. Donc on clique soit sur le départ, soit sur l'arrivée. En sachant que sur le départ, il va nous afficher tous les départs. Si je clique sur l'arrivée, il va me sélectionner uniquement le vol en question. Donc LFPG, LFRS, voir le détail. Et on clique ici, réserver le vol pour réserver. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment très simple. Ensuite, on a des informations. Je vais le réserver pour vous montrer. On a des informations pour préparer avec Simbrief. Mais on a également les options Simbrief ici. Ça nous évite d'aller directement sur la page de Simbrief et le faire à la main. On peut le faire directement depuis le site d'Air France Virtuelle. Ça peut vraiment être sympa. Pour pouvoir après directement dans le Simu importer nos plans de vol depuis nos FMC. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment génial. On a beaucoup de choses qu'on peut changer hein, très clairement. D'ailleurs, il y a eu un dernier ajout. Qu'est-ce qu'on a ajouté? C'était hier d'ailleurs. Je m'en rappelle plus. Je vais regarder.
Il y a eu un très très joli message sur le Discord de notre responsable. Où est-ce qu'il est, News Event? De notre très cher Florian. Annonce. Oh, bah dis donc, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'il a rajouté? Tac, tac, tac. Recherche, donc la recherche SimBrief évolue. Vous pouvez à partir de maintenant sélectionner des profils correspondants aux add-ons que vous utilisez dans l'onglet Aircraft. Donc dans l'onglet qui est ici, ah ben voilà. Donc vous pouvez sélectionner les add-ons. Donc ça c'est super bien parce que ça permet d'avoir les bons paramètres, que ce soit les consommations de carburant, etc. Et également le payload, donc combien on peut mettre de passagers et de cargo. Donc en sélectionnant, donc là c'est défaut, là c'est le custom, donc ça sera à vous de gérer. Et ici, donc le fly-by-wire, le jar design, le FSLab, le TOLIS, le Phoenix, Fly Factor, FSLab, Aerosoft, FSLab et encore le TOLIS A321. Je pense qu'il va y avoir encore d'ajouter les PMDG qui vont arriver par la suite. Mais en tout cas, les options SimBrief ainsi que tout ce qui peut se trouver sur Air France Virtuelle sont en constante évolution. On essaye toujours de vous proposer le mieux pour la meilleure immersion possible. Et oulala, c'est quoi ce pseudo? Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue sur la chaîne d'Air France Virtuelle. A91 91 91, je vais t'appeler comme ça parce que ça va être très clairement être difficile de prononcer ton pseudo. Donc merci pour le follow, bienvenue à toi sur la chaîne d'Air France Virtuelle. Donc voilà, voilà pour toutes les petites informations. Je peux vous donner encore une dernière information pour les gens qui ne connaissent pas Air France Virtuelle ou qui viennent de le découvrir. Les informations qui sont ici par rapport au nombre de passagers, au nombre de cargos, à l'heure de départ, l'heure d'arrivée, elles sont très clairement à titre indicatif. Vous pouvez très clairement faire le vol que vous avez choisi à l'heure et à la date que vous avez choisi avec le nombre de passagers que vous avez choisi également, etc. D'ailleurs, ici, vous voyez, on a les passagers, donc 142 qui s'affichent. C'est le même que le nombre de pax qu'il vous a été proposé lors de votre réservation de vol. Mais vous pouvez très clairement mettre 118, le cargo, vous pouvez le mettre à 0, etc. Vous pouvez vraiment tout changer pour vous donner l'expérience de jeu que vous avez choisi vous-même. On ne vous impose rien du tout, mis à part quand même certaines choses. De pas dépasser un certain hard landing, pas de refueling en vol, etc. Il y a quand même quelques petites règles, mais très clairement au niveau de l'expérience de simulation, c'est vous qui vous imposez votre expérience tout seul. Eh bien, on a fait le tour un petit peu du site pour les réservations, etc. Je vais vous donner rendez-vous. En regardant la hauteur de l'avion, j'ai le vertige. C'est sûr que l'avion est haut quand même. On est assez haut dans le ciel, donc on est à notre altitude de croisière qui est 37 000 pieds. Pas d'excès de vitesse sous les 10 000 pieds aussi, exactement. Alors, l'excès de vitesse, on a le droit jusqu'à 300. On va dire 299. À partir de 300, c'est considéré comme un gros excès de vitesse en dessous de 10 000 pieds. Vous serez obligé de faire un ASR ou je ne sais plus si vous êtes obligé. On va regarder. J'ai pas envie de vous donner de fausses informations, donc je préfère prendre la jolie petite fiche. Alors c'est pas ici, c'est dans tips et informations. Alors où est le tableau? Il est là. Donc pour une survitesse en dessous des 10 000 pieds, il n'y a pas d'ASR requis, donc j'ai bien fait de regarder. Et vous prenez un petit malus de 300. Voilà, moins 300 malus. C'est encore pas excessif, donc ça vous permet quand même de, bah déjà de ne pas être groundé, de ne pas être bloqué au sol après un excès de vitesse, et vous perdez juste un petit 300 de malus pour avoir fait de survitesse. Voilà, bah écoutez, on va se laisser là pour cette première partie de vol. Je vous donne rendez-vous à 15h15 pour la deuxième partie, donc la préparation de la descente avec les calculs de top-off descente, etc.
plein de choses vont changer avec l'arrivée de Metaflight. Exactement, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y aura un petit peu plus d'exigences, il y aura plus de choses qui vont être récupérées du Simu pour être redonnées dans les bases de données d'Air France Virtuelle. Donc on pourra adapter un peu plus de choses, donner un peu plus de bonus, parce que là très clairement les bonus on n'en a pas beaucoup, on a beaucoup de malus mais pas beaucoup de bonus. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de changements. Bertin, je te donne rendez-vous à 15h15. Si tu veux nous en parler un petit peu dans le chat cet après-midi, ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite un excellent et gagner du gain réel, exactement. Je vous souhaite un excellent appétit car il est midi 10. On a déjà dépassé notre horaire de 10 minutes. On va laisser l'avion en cruise tranquillement, donc jusqu'à ce qu'on se donne rendez-vous à 15h15 cet après-midi pour la deuxième partie du vol qui sera la préparation de la descente, l'approche et l'atterrissage à Dakar pour partir sur les traces du carnaval de Dakar. Il me semble que j'ai tout dit. Hein. Vive Air France Virtuelle, Sati. Merci à toi, ça fait plaisir. Je vous souhaite une dernière fois, un bon appétit et je vous dis à tout à l'heure pour la préparation de la descente. Ciao, bye, bon appétit, bye bye.